Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour faire un point lecture. Comme d'habitude, je vais vous présenter trois romans que j'ai lu déjà depuis un petit temps, puisque si vous me suivez, vous savez que j'ai du retard dans mes points lecture. Donc un qui m'a peu plu, un qui m'a pas mal plu et un qui m'a beaucoup plu. On va aller dans cet ordre-là. Et je commence tout de suite avec Boudica de Jean-Laurent Del Socorro, publié chez Actu SF. Et c'est donc le roman que je n'ai pas vraiment aimé. Je peux pas vous dire que je l'ai pas non plus aimé du tout, sinon je l'aurais pas fini. Mais je voilà, j'ai pas ressenti plus d'attrait que ça pour ce bouquin. Mais avant tout, de quoi nous parlons? Donc nous sommes déjà en Britannie. Donc ça se passe, je pense, au 1er siècle de notre ère. Donc la Britannie, ça va être la partie britannique et celte, donc du haut de, entre guillemets, l'Europe de cette époque, même si ça ne s'appelait pas l'Europe. Donc à peu près l'équivalent du bas de la Grande-Bretagne. Et sur ces terres celtes et anglo-saxonnes, je vous fais des raccourcis hein, historiques, hein, vraiment. Va naître Boudica. D'une mère qui meurt en couche et d'un père qui, à jamais, va lui en vouloir d'avoir perdu son épouse. Donc on va suivre d'abord l'enfant qui ressent le rejet de son père, qui, parce qu'il a gagné une bataille, a un pseudo-demi-frère qui, pendant très longtemps, ne se considérera lui jamais comme son frère, puisqu'il se voit plutôt comme l'objet remporté lors d'un combat. Et après, on va commencer à suivre une jeune adolescente qui devient très très amie avec une jeune fille qui est sourde et muette, si je ne dis pas de bêtises, qui est très proche d'elle. Et ensuite, on va suivre la femme. Alors, Boudica, c'est une figure, en fait, historique importante et qui est méconnue en France. Ou en tout cas méconnue par moi, dans cette période où la Rome essaye de conquérir des territoires, essaye d'imposer, ou va commencer à imposer en tout cas le catholicisme, et où tout ce qui est autre pratique religieuse n'aura plus de possibilité d'être. Donc en fait, dans ce roman, Jean-Laurent Del Socorro a tant envie de nous présenter la femme, la jeune femme, que la mère, que la guerrière. Alors, très jeune, Boudica, en fait, va s'exercer avec ce demi-frère et sa protectrice au maniement du bouclier et du sabre. Non, c'est pas un sabre, d'une lance. Ouais, d'une lance. Elle va vouloir devenir très forte, et ça, c'est pour pouvoir se rapprocher, si possible, de son père. Vous l'aurez compris, ça ne fonctionne pas. Donc, elle va ensuite faire un mariage arrangé, alors qu'elle est très très jeune, mais ce mariage se passe ni bien ni mal, en fait. C'est une entente cordiale qui va voir naître deux filles. Deux filles que Boudica va vouloir absolument aimer, contrairement à ce qu'elle a connu. Et elle va finir par reproduire la même chose que son père, c'est-à-dire qu'elle va partir pendant des années à la guerre pour se battre contre Rome. Alors c'est plein de choses qui donnent envie de le lire ce livre, sinon je ne l'aurais pas acheté de toute façon. Pourquoi je n'ai finalement pas adhéré? Alors, il y a une partie historique qui prend vraiment le pas sur la partie SFFF. Moi, je vous avoue que outre... le fait d'évoquer un druide, le fait d'évoquer des rêves qui ne sont pas tout à fait des rêves tels que nous on les ferait, mais plutôt des rêves prémonitoires, ça ne me suffit pas pour classer un livre dans un genre SFFF. En tout cas, pour moi, ce n'est qu'un prétexte. Mais alors, dans ce cas, si c'est un prétexte, c'est pas forcément grave. Ce qui me gêne, c'est que du coup, on ne va pas assez loin, parce que vous voyez, le roman, il se lit vraiment très vite. Hein. On ne va pas assez loin, ni dans l'aspect
enfant abandonné, c'est encore celui qui est peut-être le plus exploité quand même, ni dans l'aspect femme qui veut devenir guerrière, ni dans l'aspect guerrière à mener des combats, etc., à être diplomate et loyale. Et donc, du coup, on en a, pour moi, j'ai pas assez appris de choses sur la partie historique et je n'apprends pas grand-chose du point de vue SFFF. Du coup, je sais pas à quoi me raccrocher en fait. Je me suis raccrochée à toutes les branches que j'ai pu, mais elles ont toutes fini par casser. Donc, c'est pour ça que je suis déçue. Parce que finalement, on balance entre un côté qui n'est quasiment pas fantastique et une histoire qui pourrait être très intéressante. Et je veux bien comprendre que Jean-Laurent Del Socorro ne soit peut-être pas historien, mais alors là, pour le coup, du coup, quel est l'intérêt du livre finalement? Pourquoi ce livre a été écrit? C'est toute ma question. Alors, bon, la plume en elle-même, j'ai pas grand-chose à redire, même si j'ai rien trouvé de mirifique, si ce n'est que, à certains moments, Jean-Laurent Del Socorro a une façon de poser ses phrases qui fait qu'on rentre vraiment, on a l'impression d'être dans le livre et d'être à cette période-là. Donc je pense qu'au niveau des descriptions, il est assez fort. Du coup, ça me donne envie de lire d'autres choses de lui, mais des choses qui seront plus fantasy, ou en tout cas SFFF. Parce que de ce côté-là, franchement, ce livre est pauvre, mais vraiment pauvre. Et au niveau historique, alors oui, c'est sûr que si on a envie d'aller plus loin, on va aller lire d'autres bouquins, mais je trouve quand même que l'intérêt lié à Boudicca n'a pas été suffisamment suscité parce que en même pas 300 pages, c'est pas possible de voir une enfant, une mère, une femme et une guerrière. J'aurais bien vu une belle pavasse ou plusieurs tomes. Mais bon, c'était pas le souhait de l'auteur et je le respecte. Mais mon goût à moi de lectrice, pour le coup, ne s'y est pas retrouvé. Toutefois, il y a eu aussi de très bons avis sur ce livre. Donc, franchement, je pense qu'il vaut mieux que chacun se fasse son propre avis parce que je crois que on aime ou on n'aime pas. J'ai l'impression qu'il n'y a pas de milieu pour ce livre, qu'on ne peut pas être juste mitigé en fait. Et pourtant, je n'ai pas complètement pas aimé, mais j'ai quand même pas trop accroché quoi. Hein, voilà, on reste quand même sur un avis qui est plutôt négatif. Mais j'ai pas non plus envie d'assassiner le roman parce que c'est pas non plus la catastrophe hein, de l'année 2017, loin de là. Donc voilà, moi je vous invite encore une fois à le lire si l'histoire vous fait envie et à vous faire votre propre opinion. Alors ensuite, on va sur un roman que j'ai trouvé quand même fort sympathique et dont j'ai envie de connaître les autres points de vue. Il s'agit de Robin à la dernière seconde de Manon Fargeton, publié donc chez Rajo, et c'est la série Les Plieurs de Temps. Donc j'en possède un deuxième qui est avec le personnage d'Arthur. Mais bon, là on suit Robin. Donc Robin est un jeune garçon de 10 ans, si ma mémoire est bonne. Et en fait, lors d'une réunion familiale chez ses grands-parents, il va monter au grenier pour jouer avec ses deux sœurs. Et ils vont jouer à cache-cache. Et lui, en fait, pour se cacher, il va rentrer dans les grandes horloges. Je sais pas si vous imaginez, ou vous en avez déjà vu chez vos grands-parents, où il y a des balanciers, où on peut ouvrir les portes. Et donc, il rentre à l'intérieur. Et il se rend compte qu'il peut arrêter le temps. Jusqu'au moment où il décidera de le relancer. Donc, à partir de là, comme Robin est un jeune garçon qui n'a pas vraiment confiance en lui, qui aime beaucoup sa vie de famille, mais qui au niveau de l'école, du coup, est un petit peu pris pour cible par Arthur, disons-le, et ses copains. Du coup, voilà, il a envie de retrouver une confiance en lui. Et ce truc du temps, de pouvoir arrêter le temps, va lui permettre d'accomplir certaines actions. Alors, c'est un roman qui est très court, qui est aussi illustré. Et je vous avoue que j'ai bien aimé les illustrations, elles sont sympathiques. Enfin, voilà, c'est pour de la jeunesse, c'est très sympathique. Il y en a d'autres hein, qui sont éparpillés dans le roman. Manon m'avait dit le nom de l'illustrateur, et bien je l'ai perdu, je suis désolée. Noémie Chevalier a fait la couverture, mais alors l'illustration. Non, c'est Noémie Chevalier. Alors après, il y a une vraie réflexion par rapport au fait de qu'est-ce qui se passe quand on touche au temps.
Donc c'est pas sans rappeler l'effet papillon, le retourneur de temps dans Harry Potter, et les voyages dans le temps, etc. G. Wells, enfin bref. Mais pour moi, c'est vraiment un public à viser jeunesse. Un gamin de 10 ans, la réflexion est bien faite. Comme quoi, posséder ce pouvoir, ça a des conséquences, et ça peut avoir des conséquences fâcheuses, mais ce sont des conséquences qui sont en rapport avec l'âge de Robin, en fait. Et en soi, c'est pas grave, parce que je ne suis pas le public premier visé par ce livre. Donc je peux dire que j'ai passé un bon moment, mais que si moi je veux aller plus loin sur la distorsion du temps, sur le fait d'arrêter le temps et de se sentir un petit peu omnipotent, et à cause de ça et donc de ce qui va s'en découler, il faudra que je lise des livres plus adultes, en tout cas, qui vont plus loin dans la réflexion. Mais en toute franchise, si vous avez des enfants de 9, 10, 11, 12 ans suivant leur niveau de lecture, ou si vous-même vous avez ces âges-là, je pense que ce livre peut vraiment vous plaire parce qu'il est très bien écrit. Là, je retrouve complètement la plume de Manon Fargeton. Parce que l'histoire est complètement agréable, c'est bienveillant, il y a des côtés négatifs mais des côtés positifs aussi, donc tout est contrebalancé. Du coup, c'est vraiment à l'échelle de mon âge que ça ne m'a pas suffi. Mais le public visé, lui, il peut être tout à fait satisfait par ce bouquin. Et s'il commence à lire sur les problématiques de temps, je pense que c'est un livre qui peut être un bon démarrage dans ce domaine-là et dans la partie fantastique des choses. Donc franchement, j'ai vraiment envie de lire Arthur. Et il va y avoir deux autres bouquins parce qu'il y a deux autres personnages que vous voyez ici. Donc le meilleur ami de Robin et une fille dont j'ai perdu le nom mais qui est prise pour cible par Arthur aussi. Et bah du coup, leurs trois avis à eux, j'ai aussi envie de les connaître. Donc c'est quand même que j'ai passé un très très bon moment. Court parce que à mon âge, il se lit vite de par sa taille, tout simplement. Hein. Mais voilà, c'est... J'ai passé un bon moment de lecture et en tout cas, pour les jeunes dont j'ai précisé l'âge tout à l'heure, prenez-le ce livre, lisez-le. Et enfin, un livre qui m'a beaucoup plu, qui m'avait beaucoup plu dans un premier temps pour sa couverture, que je vous laisse re-regarder, il s'agit de La Maison des Reflets de Camille Brissot, publié chez Cyrus. Alors, dans cette histoire, on va suivre Daniel. Je dis pas de bêtises. Oui. Daniel, qui est un adolescent, qui vit avec son père et sa gouvernante, Madame Mélia, si je n'ai pas oublié son nom, dans une maison toute particulière. Alors, à savoir qu'on est dans un futur proche, 2022, je crois. C'est une maison qui s'appelle la maison Edelweiss et qui a en fait été conçue d'abord par le grand-père de Daniel pour que lorsque les personnes décèdent, leur entourage puisse les retrouver à travers leurs reflets. Alors on va plus loin que des reflets hein, finalement puisque ce sont des intelligences artificielles ou quasiment. Et le père de Daniel a pris la suite de son propre... Père, ah j'ai une hésitation. Père, bref, c'est lui qui actuellement s'occupe de ces maisons. En fait, il y en a d'autres hein, dans ce monde-là. C'est des maisons de départ. Voilà, j'avais perdu le terme. Et donc Daniel, lui, il évolue dans cet univers avec des amis artificiels, donc des personnes décédées qu'il n'a pas connues vivantes, mais qu'il connaît à travers leurs reflets. Et il est très attiré par aussi tout le côté scientifique qui est développé derrière, parce qu'il faut énormément de théories physiques, mathématiques et autres, et lui, il a envie de prendre la suite. Et puis un jour, il va déjà se rendre compte que un ami notamment qui est mort lorsqu'il avait 8 ans, enfin un jeune garçon qui est mort à 8 ans avec qui il est devenu ami, donc son reflet, et ben il se rend compte que maintenant qu'il a 15 ans, ben, ça passe plus de la même façon, quoi. Et poussé par sa gouvernante, il va sortir de la maison parce qu'il n'en est jamais sorti. Il va se rendre dans une fête foraine. Et dans cette fête foraine, il va rencontrer Violette. J'ai tout oublié aujourd'hui, mais en fait, non, j'ai pas oublié.
Violette, qui a à peu près son âge, qui est jumelle d'une autre jeune fille, et qui fait partie des forains. Et c'est la première fois qu'il va discuter et se prendre d'une affection toute particulière pour quelqu'un de vivant, outre son père et sa gouvernante, puisque sa mère est décédée, son grand-père est décédé. Et en fait, ça va complètement bousculer sa vie. Et je ne vous en dis pas plus, tout le reste, je vous invite à le découvrir. Alors, de quoi il parle ce roman? Bien évidemment, il parle du deuil, dans un premier temps, mais pas que. Il parle du deuil et de ce qu'on en fait. Est-ce que c'est bon de rester avec des personnes qui ne sont plus vivantes? Ou est-ce que du coup, nous, on finit pas par être un peu morts quelque part? C'est en tout cas ce que sa gouvernante essaye de lui faire comprendre, à mon sens, en le poussant à aller vers les vivants. Et donc à sortir de ses maisons parce que c'est une vie trop aseptisée et où on finalement ne prend pas grand risque. Et est-ce que ces reflets sont bien finalement des reflets de la personne, même s'ils sont en image holographique, ce ne sont pas des personnes. Et une personne, c'est beaucoup plus complexe que ça. Et puis au-delà du deuil, il y a donc aussi la mort, mais pas forcément une fois qu'elle s'est produite, mais avant qu'elle se produise, la mort, la maladie. Il y a aussi l'amitié, les premières amours, les attachements. Donc il y a plein de thèmes comme ça que Camille Brissot aborde avec une plume très poétique et qui, moi, m'ont beaucoup touchée, en fait. J'ai trouvé que c'était un roman très réussi qui nous permet de revoir notre rapport, en fait, à la vie, d'abord, à la mort, ensuite, à nos proches et à comment on vit avec eux, comment on profite d'eux. Un rapport aussi à la science. Jusqu'où doit aller la science pour servir l'homme et ne pas le desservir? Je pense que vous avez compris que c'est un sujet qui me tient à cœur. Et là, Camille Brissot l'aborde très très bien, avec une très belle idée. Et franchement, moi, je vous invite, mais je vous invite vraiment à le lire, ce livre, parce qu'il est beau visuellement, il est beau à l'intérieur. Et oui, il y a des passages qui peuvent être difficiles, parce que je me rappelle d'une discussion lorsqu'on a fait cette lecture commune, où il y a des passages qui sont pas forcément très très drôles, parce que oui, voir des êtres décédés, c'est pas drôle. Et donc tout l'intérêt de laisser les morts partir, avoir un souvenir, mais un souvenir à soi, dans soi. On n'a peut-être pas besoin de représentation autre que notre souvenir à nous, même s'il finit parfois par s'estomper. Mais c'est dangereux, c'est dangereux. Et moi, c'est surtout ça qui m'a. C'est cette partie-là qui m'a plu, même si, voilà, cette histoire d'amitié, amour et toute l'intrigue qu'il y a autour, elle est très importante aussi, mais j'aime surtout ce premier sujet abordé. Voilà, je crois que je suis encore un peu émue quand je parle de ce livre. Et j'espère que cette émotion sera au service de la vôtre et que ça vous donnera envie de lire ce livre. En tout cas, ce point lecture est terminé et je suis ravie de l'avoir fait parce que ça faisait un petit moment que j'avais lu ces livres et je veux rattraper mon retard et j'ai envie de vous partager ces moments que j'ai passés. Je vous souhaite en tout cas de faire toujours de très belles lectures. Je vous souhaite aussi plein plein de choses. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt.